Salut, amis de YouTube. Sur cette petite introduction d'exploration de cette grotte là, avec les ouvertures vers le haut qui sont vraiment magnifiques. Et là, la pluie. La pluie, mais il n'y a pas de pluie. C'est quoi ça? On entend la pluie, mais il n'y a pas de pluie. Et elle est où la pluie? Très étrange d'avoir le bruit de la pluie. Il n'y a pas de pluie. Bon. Un petit bug, on va dire. Alors, je ramène plein d'iridium. D'iridium. Je l'ai mis avec ici. Ouais, bah, j'ai déjà plus de place. L'aluminium. Fer, aluminium. Il faudrait que je me recrafte un coffre comme ça. Un grand coffre. J'ai plus beaucoup de fer déjà. Je vais mettre ça ici. Iridium. Voilà, iridium. L'iridium qui est ici, je vais le mettre aussi là. Ah, j'ai même pas assez de place pour les deux. Alors, qu'y a-t-il de neuf à venir? Ah bah ça. Récupérateur d'eau. Donc ça c'est pas mal, vraiment très bien. Bon, ça c'est plus loin. Semoir d'herbe. Donc ça c'est... C'est ça. Et les semoirs d'herbe, c'était débloqué à quel palier ça? Pardon. Ça, ça doit être beaucoup plus haut, 420. Ok. Les semoirs d'herbe, il faut de l'eau, du magnésium, de l'aluminium. De l'eau. Il faudra que j'en refasse d'ailleurs. De l'aluminium. Magnésium. Il faut combien ça? Un magnésium, deux eaux et des graines de... Est-ce que j'en ai des graines de... J'en ai là. Des graines de l'Irma. De Pestera ça. Ah bah voilà, récupérateur d'eau. Super. J'en ai de l'eau là. Je vais boire ça. Faut que je refasse de l'eau. Ah bah voilà, la pluie. La pluie est là. La pluie est vraiment là. Quelques morceaux de glace, faire de l'eau en quantité pour pouvoir crafter ces comment ça s'appelle, semoirs d'herbe, puis me faire de l'eau pour moi, puis après bah, je ferai le récolteur d'eau. Récolteur d'eau, ça s'appelle ça comment? Récupérateur. J'appelle ça un récolteur, c'est un récupérateur. Le récupérateur. Un ou plusieurs d'ailleurs. Qui va être très important. Voilà, inventaire plein. Au niveau glace quoi, j'ai plein de glace.
J'en suis à 903 KTI en haut à droite là. Avec contrôle pour continuer de rester dans la machine pour craft. Glaçons. Je vais pouvoir poser ça. Si. Et un second. Ouais, forcément. Électrique. C'était pas suffisant. Donc il me faut... Je vais mettre deux alus. Cobalt. Ah ouais, bah j'ai plus beaucoup de cobalt là. Silicium, magnésium. Silicium. Oula, ah oui, silicium, j'en ai plus... Je n'en ai plus beaucoup. Ah bah du fer, c'est pareil. Hein. Ah bah, je vais pas aller loin en fait. Hein. Alors vraiment que je farme tout ça. Ah tiens, j'avais posé mon panneau solaire à l'envers. Comme j'aime pas ça, je remets à l'endroit. Alimentation à 6 kilowatts d'avance, c'est pas énorme. Donc ça, il me faut quoi? Fer, silicium, fer et silicium que je n'ai plus. Aluminium, cobalt, soussagé et puis du super alliage. Je mange quelque chose aussi là. Manger ça, les rations en attendant. Alors du silicium et du fer. Par là. On se titane. Allez, plus de silicium là. Silicium et du fer là. Ici. Salut. Ah voilà. On peut faire. Ça n'est pas tant que ça. Hein. Faudrait vraiment que je me trouve une caisse où il y a de l'osmium là pour fabriquer la les foreuses. Ouais, c'est ça, de l'osmium, ouais, de l'osmium. Ouais, puis après, il me faut une barre d'iridium aussi, quoi. Barre d'iridium, c'est pas non plus, quoi. Parce que j'ai une bouteille d'oxygène sur moi. J'ai même pas pris ma petite maison au cas où sur moi. Silicium. Ah, un petit morceau là encore. Ah bah voilà, ici on a pas mal là. En fait, je peux peut-être... Est-ce que j'ai le temps? Allez, pose-toi. Non, allez! Oh là! Oh là!
Ouh, 7 et moins 1. Oh. À cause d'un saut, j'ai failli mourir. Qu'est-ce qui tombe là? Est-ce que c'est des choses intéressantes? Ah, vous voyez, je suis passé à 1 MTI. Stéroïde, parce que ça fait très mal. Il suffit d'être pas en vie et... Ah bah voilà, il y a un qui commence à pousser. Biomasse, chaleur, pression. Oula. Bah. Ah voilà, bon ça c'est... Petite erreur. La petite erreur. Pas du tout ce que je voulais faire, mais bon. Chose qui arrive. Parce que comme il n'y avait plus rien dedans, je l'ai démonté, quoi. Sans le vouloir. Titanium. Titanium. Magnésium. Allez, pour les récupérateurs. Bah du silicium, du cobalt, j'en ai pris. J'en avais encore du... Non, j'en ai plus du cobalt. Alors, faut que j'aille en chercher ça. J'en ai vu en bas là-bas. Prendre une bouteille d'eau quand même. Bon, j'en ai quand même quelques-unes, ce serait dommage de s'en priver. La nourriture. Ça, petit haricot sur le chemin, ça fera du bien. Voilà, il y en a plein là de cobalt. Bah, tout ce qu'il y a, ce qu'il y a à prendre ici, hein. Au silicium, au fer, cobalt. Un peu de fer, bien sûr. Toujours une priorité, le fer. Hein. Un plan reçu pot de fleurs. Ok. Construire ce récupérateur d'eau. Oh, déjà, voilà, ça fait bien ça avec un petit peu de d'herbe là. C'est très sympa. Alors, le cobalt. Il en faut deux par. Deux par. Ah non, c'est un. D'accord, bon, je vais en faire deux. Hein. Je vais faire deux récupérateurs d'eau. Salut. 2, 1, 2, ça liège comme ça. Magnésium. Voilà. Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça là. Ah bah oui, bien sûr. Ça aussi, ça use du courant. Bon. Okay. Bon bah c'est reparti pour remettre des panneaux solaires. Hein. Est-ce que je peux toujours pas poser ça? Ah bah non, j'ai pas de barre d'uranium. Donc pas de barre d'uranium.
Pas de barre d'uranium. Pas de super générateur. Je sais plus comment ils appellent ça là. Réacteur nucléaire. Magnésium, 2 magnésium, 1, 2. J'ai 2 silicium sur moi aussi. Oh, je vais arrêter, je me trompe de bouton à chaque fois. De touche. Oui, on va boire un coup, voilà. Alimentation 23 d'avance, 23 kW d'avance. Donc là ça avance bien, ça c'est à 5 MTI. Faudrait que je puisse... échauffage supplémentaire peut-être. Ça en est où là? La chaleur. Ça monte. Ah ouais, le... C'était quoi déjà là, le taux de... Quelle la glace commençait à fondre. Des NK, je sais plus, 100 NK. Je ne sais plus. Ouais, bon, ça c'est une barre d'iridium. J'en avais fait une. J'en avais fait une de barre d'iridium, mais je pourrais encore en faire en fait là quand même. Oui, je peux faire des barres d'iridium, c'est vrai. Je peux faire des barres d'iridium pour ça. Oui, mais j'ai pas l'osmium. Bon, ce que je vais faire. Je vais refaire un chauffage. Chauffage là. Silicium, titanium, aluminium. Silicium. Silicium. Aluminium. La petite barre d'iridium. Bah, faudrait déjà que j'agrandisse un peu quoi. Je vais le mettre là comme ça. Ça a dû rebaisser un... Bah oui, ça a rebaissé un bon coup, là. Ça a rebaissé un bon coup. La nourriture. Petite nourriture d'avance, une bouteille d'avance. Je vais aller revoir là-bas. Ouais, parce que là, ça monte vraiment très vite. Je vais aller revoir. Que ça dit au niveau. Peut-être que c'est. Ouais, c'était 100. 100 NK. Peut-être que ça commence à fondre là. Que si dans mes souvenirs sont bons, mais j'en suis même certain, l'osmium, je peux en trouver par là. Je peux en trouver par là. Je vais ramasser en même temps le cobalt. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à le ramasser. Ça veut pas. Cobalt, non, tu veux pas. Tu veux pas, il veut pas. Il veut pas se faire ramasser. À ramasser hein. Il faut pas hésiter. Ah bah oui, ça commence à fondre hein. Ça commence hein. Ah ouais, 100 MK, donc ça commence à fondre. Ça va être pour bientôt le passage. Je sais pas jusqu'à
combien il sera, le bloc sera fondu totalement. J'espère pas trop loin. Parce que j'aimerais bien pouvoir commencer à poser des foreuses. Dans cette grotte, vraiment plein de choses. Alors est-ce que je vais être obligé de prendre ma bouteille d'oxygène? Je crois que oui. Non. Ah bah je suis mort. Bon, bah je vais récupérer mon équipement, tout mon inventaire du moins. J'ai pas récolté de choses parce que je vais avoir des choses dans ma petite caisse qui va être restée au sol. Il fallait que ça arrive, hein. J'ai voulu traîner au plus loin possible sans prendre ma bouteille d'oxygène, mais voilà ce qui arrive. Alors, elle est où cette caisse? Je l'ai vue de loin, là quelque part. Ouais, elle est là. Ah bah j'étais pas très loin, j'étais vraiment pas très loin. Bon, ça va, c'est pas très punitif le jeu quand on meurt. L'inventaire est plein. Retour à la base. Je vais reposer des panneaux solaires. Je peux déjà en poser un là direct. Pas besoin de retourner chercher les matériaux, je les ai sur moi. C'est parfait. Les nuages sont bien présents. Vraiment très sympa, hein, le changement. La planète, l'atmosphère. Deuxième. Voilà. Parfait. Alors, oxygène, parfait. Cobalt. Posez ça là. Est-ce que je referais pas un... je referai pas un chauffage supplémentaire encore. Titane, aluminium. Titane. Aluminium. Bon au niveau électricité, ouais, 27 c'est bon. Ça c'est tous les messages, mais je les avais déjà lus. Il me semble. Je pourrais mettre encore des semoirs d'herbe.
Magnésium. La graine de l'Irma, j'en ai une, donc c'est parfait. D'hydratation, bah ça tombe bien, je vais voir. Parfait. Oh ouais, c'est bien, ça récolte extrêmement bien. Ça récolte bien des dos. Gardez une sur moi. J'en bois une. Eau liquide. Là, la pluie, 26%. L'eau liquide, j'en suis à 26%. L'oxygène, ça monte bien. La chaleur, bah, ça monte bien aussi. C'est à 300 là. Je vais commencer à préparer ma petite maison transport pour aller retourner voir. Silicium. Oh, j'aurais bien trouvé sur le passage, sur le chemin du silicium. Retourner voir si ça fond. Est-ce que j'ai de la nourriture? Ouais, c'est bon. Là, ça n'en est pas besoin. Je vais mettre là. Retrouver un bloc de silicium. Je retourne là-bas. Au vaisseau, je retourne au vaisseau et je ne sais même plus si j'ai vidé les coffres. Je ne sais même plus. Allez, est-ce que c'est un peu fondu? Ah, de plus en plus, on dirait que ça commence à fondre de plus en plus. Ah, silicium. Oh oui, là, ça va fondre là. Je peux pas passer là. Il faudrait que j'ai un morceau de fer en plus pour assurer mon habitation de l'autre côté. Petit morceau de fer. Voilà. Je suis pressé d'aller de l'autre côté en fait. Je suis pressé. Tout simplement pour aller chercher cet osmium. Oh ouais, voilà, parfait. Allez, hop. L'alu, tout ça. Il a une autre couleur ici. Là, ça fait un petit peu. Il change de couleur avec le jaune, ça fait joli. Plein de soufre. Plein de soufre. Ferme. J'ai trois morceaux de fer. Ouais, voilà, je vais pouvoir. Faire un coffre. Ah voilà, elle est là.
La grotte d'Osmium, c'est ici. C'est ici. Grotte d'Osmium. Allez, est-ce que je peux encore récupérer des petits morceaux de fer? Je vais essayer de passer, hein. Je vais pas attendre que la glace soit fondue. Je suis pressé d'avoir mes foreuses, là. On change encore de biome, là. Je vois pas grand-chose, hein. Je ne vois pas grand chose. Oh là, ah oui, la cascade de sable. Le lieu est magnifique. Un coffre. D'abord aller voir le coffre avant de prendre tout ce qu'il y a par terre là. Oh bah ça c'est pas mal ça. Là je peux décrafter le coffre. Faire un fer en plus. Un fer, ça me permet de faire une échelle. J'en ai deux même. Voilà. Allez. J'y retourne. Et je vais voir où en est la fonte de cette glace. Parce que ça va assez vite apparemment. Ça a l'air d'aller extrêmement vite. Ça va vite, mais bon, pas non plus au point de fondre sur un aller-retour. Voilà, je vais faire ça. Je mets tout à l'intérieur de ce coffre. J'ai même une graine de haricot. Ça, c'est pas mal aussi. Par contre, est-ce que j'ai gardé un morceau de métal? Non. Ah, ça c'est moins bien. C'est vraiment moins bien. Ça les Smium. J'ai pas gardé de morceau de métal pour me refaire une échelle quoi de sortie. Ça m'étonnerait que la glace est fondue. J'en ai combien là? 3, 4, ouais c'est ça. Je pars d'abord. Bon, à moins que j'arrive à faire un saut sympathique depuis de l'autre côté là. Ouais, y a vraiment pas. Il n'y a pas grand chose. Après ça s'exploite avec les foreuses. Il y a même encore ici de la glace là. Ouais, ça a l'air de avoir un accès aussi par là. Alors. Ah oui, facile, ça va. C'est bon. Tranquille. Je vais reprendre le fer de ça. Échelle. Bon, je vais reprendre le fer. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? 300 d'oxygène. Moi, bon, ça, je reviendrai les chercher. Pour le soufre, pas forcément ce que qui est le plus utile là dans l'immédiat. Ça pour la nourriture, ça aussi, ça aussi. Voilà, allez, je retourne à ma maison, petite base quoi, et puis je vais pouvoir fabriquer la foreuse. J'en ai combien? 3,
6, c'est-à-dire que je peux faire 2 foreuses. Je pourrais faire peut-être 2 foreuses. Une que je pourrais mettre là-bas à l'osmium et une ici à l'iridium directement. Parce que l'iridium, ouais, ça va être très important. Fasse attention quand je fais des sauts comme ça, parce que les sauts, les chutes, ça peut faire des dégâts. Comme j'ai plus beaucoup de vie là. Une mort inutile. Ça serait bien dommage. ...1,81 MTI, ça monte plus si vite que ça. Il va falloir que j'optimise ça. Il va falloir que j'optimise. Donc la foreuse, ça se fait avec part d'iridium et super alliage. Ok. Donc bah, je vais mettre déjà 1, 2, 3 ici. Ça, je vais les mettre là, ça. Tantant. Super alliage. Mon super alliage. Je l'ai mis là ici avec l'alu. Une foreuse et une barre d'iridium. Ah, je vais pas avoir cette place forcément. Fer. Pas besoin de fer, j'ai pas besoin de. Il me faut du titane et de l'alu, c'est tout. Hein. Titane, alu. Magnésium, il n'y en a pas besoin non plus. Je vais boire un coup, voilà. Silicium, il n'y en a pas besoin, j'ai dit. Titane, alu, voilà. Là, je prends les 8 nécessaires. 3, 6, 9, 9, pardon. Faire ma part d'iridium. Voilà. Là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Ah non, c'est 2 qu'il faut. Ah ouais, 2... 2 osmium, donc je peux faire 3 foreuses. Une pour ici. Et ça consomme combien de foreuses? 10 moins énergie, moins 34. Ah ouais. Moins 34. Ah ouais, là il va falloir que je monte en énergie. Ouf, oui, il va falloir monter, que je monte pas mal. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que je peux faire ça tout de suite? Je pourrais faire 2 panneaux là. Alu, Sili, Manis, Alu. 1, 2. 1, 2. Et Alu. 1 et 2. Et le fer, 2 aussi. 1 et 2. Le panneau solaire, c'est 19, 22, 20. Waouh, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud, chaud ça. Sens. J'aime pas quand ils sont pas mis tous dans le même sens. Voilà. Donc là, je suis à combien en énergie? Nouveau plan reçu, Piolab. Superbe. 52, ok. 52. Haricot, ok. Je mets ça ici.
Je l'ai mis où, mais... J'ai besoin de ça. Ah mais non, pourquoi je range tout en fait? N'importe quoi. J'ai besoin de ça et ça et ça. Voilà. Donc là je suis bon, hein, j'ai plus 52, donc je peux poser ça. Je peux poser une foreuse. Là-bas, j'ai de l'eau. Non, j'ai pas d'eau. Cas où. Sait-on jamais. Je vais poser ma foreuse à l'osmium. Endroit le plus embêtant, on va dire, parce qu'il y a la glace. Puis après, j'en poserai une à l'iridium. Bon, je sais pas si je le ferai en vidéo, mais bon, voilà, je vous le dis. Je poserai donc ici, là quelque part, pas trop loin de mon petite habitation, une foreuse iridium. Farmer déjà, bah oui, est-ce que je peux... Est-ce que c'est sûr que je peux farmer le... L'osmium là. Avec une foreuse de niveau 1. J'ai un doute là. Bon, c'est pas grave. Tiens, je mettrai pour le soufre. Je ne sais plus, j'ai un doute qui... Ouais. On va être fixé tout de suite. Alors. Foreuse. Ah, c'est du fer. Ok, j'essaye un autre endroit. C'est du fer. Donc, c'est pas. Cette foreuse-là ne sert pas. On peut pas. Tout de suite exploiter l'osmium. Bon bah je vais exploiter le soufre. Hop, du soufre. Alors qu'est-ce que j'avais dans ce... Bah, tout le soufre, tout ça, voilà. Ok. Ah, j'avais gardé une aubergine. Bon, c'est pas grave, je la mange. Ben voilà. Bon ben, ça sera du soufre. Exploitation de soufre. L'osmium, ça doit être certainement. Faut que je regarde sur les plans, mais ça doit être la foreuse niveau au-dessus. Hein. Ben voilà, la glace. La glace fond. Qui rend le passage libre. Ici, qu'est-ce que j'avais ici encore là? Ok, moi je vais mettre un peu de ça ici pour reprendre un peu de fer et... Fer et titane là. Retour à la base. Et puis bah, je vais refabriquer une foreuse. Surtout des panneaux solaires aussi. J'allais voir si je gère là-bas ce vaisseau là-bas, si j'ai récupéré le coffre, les coffres. Que j'avais laissé, je ne sais plus du tout. La foreuse aussi. Pouf.
pour l'aluminium. Voilà, ça fait une foreuse aluminium, une foreuse iridium. Ça fait deux foreuses là. Encore en faire deux. En fait, je sais pas si le soufre c'était forcément utile tout de suite. Je pourrais reprendre celle du soufre pour la mettre là sur du terrain pour faire tous les minerais en fait. Peut-être, ouais. Peut-être bien. Et donc là, qu'est-ce que ça me débloque là bientôt? Chauffage T4 à 63. PPP. C'est pas encore tout de suite, hein. La pression qui augmente bien. Réacteur nucléaire T2. Ouais, mais je peux même pas poser le T1 déjà là. Donc. Après, je pourrais poser. Est-ce que j'ai assez de super alliages? J'ai trois super alliages. Trois super alliages, je pourrais poser ceci pour fabriquer la fusée. Pour fabriquer la fusée. Je suis même pas sûr que je puisse la faire non plus, quoi. Je suis pas sûr que je puisse la faire. La fusée, il va falloir de l'uranium aussi. La barre d'iridium, ça ok j'ai. Mais du super alliage, j'en aurais pu. J'aurais pu assez de. Bah, je pourrais en faire du super alliage. Ça serait un risque à prendre. Hein. Il va me falloir ça pour la fusée. Ça, plus d'autres choses que je ne sais plus. À voir. Mais je pense que j'essaierai peut-être ça dans la prochaine vidéo. Je verrai bien. En tout cas, là. 64% de l'eau liquide. Terraformation à 2,24 MTI. Et bien, sur ces chiffres, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce vers le haut et un petit commentaire si ça vous embête pas. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça soutient, comme je dis tout le temps. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. À plus !